Bienvenue sur les Rendez-vous Experts, le podcast destiné aux conseillers en gestion de patrimoine et courtiers, partenaires de Cardif. La finance durable ou comment donner du sens à son épargne, c'est le thème de cette série de deux podcasts, des Rendez-vous Experts. Et après avoir développé l'impact sur l'assurance vie des nouvelles règles en matière de finance durable, je vous propose d'aborder aujourd'hui les conséquences sur l'assurance vie du règlement européen sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur financier. Et pour nous y aider à y voir plus clair, bien entendu, j'ai refait appel à Pierre-Christian Humbert, il est responsable juridique France chez BNP Paribas Cardif. Bonjour Pierre-Christian, merci de revenir au micro. Bonjour. Alors Pierre-Christian, nous allons entrer tout de suite, cette fois dans le vif du sujet, et parler de ce fameux règlement européen sur la publication en matière de durabilité dans le secteur financier. Est-ce qu'on peut développer, est-ce que vous pouvez décrypter ce que ce texte contient précisément ? Ce texte, qui donc rentre en vigueur très prochainement, va imposer aux acteurs des marchés financiers, dont les assureurs vie, et aux distributeurs, dont les intermédiaires en assurance, de révéler certaines informations aux clients en matière de finances durables, hein, de produits ESG, environnement, social et gouvernance. Alors, quelles vont être ces informations ? C'est le fait d'informer sur les risques en matière de durabilité et éventuellement les incidences négatives sur le rendement du produit en matière de durabilité. Alors, derrière ça, il va falloir que les producteurs, dont les assureurs, et les distributeurs, dont les courtiers, publient un certain nombre d'informations sur leur site internet, premier point. Deuxième point, ils vont devoir délivrer un certain nombre d'informations en phase précontractuelle lors de la souscription du produit. Et troisième point, ils devront réitérer ces informations périodiquement et notamment annuellement. Pour l'assurance vie, ce sera probablement dans l'information annuelle. Pour l'assurance, les produits concernés vont être les contrats d'assurance et multi-supports rachetables, mais aussi les produits d'épargne retraite, qu'ils soient individuels, associatifs type Perrin ou collectifs d'entreprise type Perco. Alors, arrêtons-nous quelques instants, Pierre-Christian, sur la nature de ces informations qui devront être fournies pour ces produits auxquels vous faites référence. Quelle est cette nature ? En fait, le texte distingue trois types de produits. L'information qui sera à fournir pour tous les produits entrant dans le champ d'application du règlement, première situation. L'information à fournir par les produits souhaitant promouvoir des caractéristiques ESG, comme par exemple les produits qui s'interdiront d'investir dans les secteurs de polluants, hein, deuxième catégorie. Et enfin, troisième catégorie de produits, les produits souhaitant avoir une incidence positive sur l'économie durable. On peut penser par exemple à des produits qui financent des parcs éoliens ou des fermes solaires. Pour l'information générale qui concernera tout produit, il faudra enrichir l'information précontractuelle. Donc pour l'assurance vie, ça sera la notice d'information. Il faudra des informations que l'on pense à ce stade être assez générales sur la durabilité et éventuellement les incidences négatives dans les investissements sous-jacents à ce produit. Hein, donc là, on estime que ce sera quelque chose d'assez simple et d'assez général. Pour ce qui est des produits promouvant des critères ESG ou souhaitant avoir une incidence positive sur l'ESG, là par contre, le contenu de l'information est beaucoup plus strict et beaucoup plus encadré. Les indicateurs ne sont pas libres et elle sera assez réglementée. On pense même à ce stade que l'Union européenne va imposer un document d'information précis et normé, une sorte de DICI ESG. Alors, Pierre-Christian Humbert, vous êtes un juriste et je suis certain que vous avez déjà identifié des difficultés et des points qui restent à éclaircir sur ces textes européens. Si les règlements, la loi européenne est déjà votée et publiée, par contre, les textes d'application ne le sont pas. Or, ils seront structurants pour définir et déterminer l'impact pratique de ces deux textes. Hein, ça, c'est la première difficulté. La deuxième difficulté, c'est que ces textes d'application qui ne sont pas encore parus vont paraître d'ici la fin de l'année pour ce qui est du règlement disclosure, alors que ce même règlement rentre en vigueur en mars 2021. Donc, il y aura une période extrêmement courte entre le délai d'application du texte et l'apparition des textes concrets qui vont nous dire ce qu'on va devoir faire. On a compris qu'il y avait deux textes, hein, le règlement taxonomie qui définit le cahier des charges de la finance durable et le règlement disclosure qui va définir les règles qui vont s'imposer aux acteurs que nous sommes, assureurs vie ou distributeurs. Or, l'un s'appuie sur l'autre. Il ne rentre pas en vigueur en même temps. Ça, c'est la deuxième difficulté. Troisième difficulté que la place a pu noter, c'est qu'il y a trois catégories de produits et il y en a deux qui définissent précisément ce que sont des produits ESG. Les produits qui promeuvent des critères ESG et les produits qui veulent avoir une incidence positive. Or, la règle entre les deux n'est pas toujours très claire. Donc, on va voir comment les différencier. Ça doit encore être fait. Enfin, si on se fixe spécifiquement sur l'assurance vie, il va falloir devoir qualifier les fonds en euros, hein, au regard de ce texte disclosure. Et puis d'autre part, pour les contrats multi-supports, point très important, il convient d'éviter deux étages d'information, l'étage contrat, l'étage support d'investissement, comme on l'avait dans le règlement PRIIPs, qui est absolument incompréhensible et complexe à gérer.
Hein. Ce que l'on veut pour les contrats multisupports, c'est avoir des précisions sur la manière dont on va pouvoir utiliser le label ESG pour les qualifier. Voilà. Alors, Pierre-Christian Lambert, nous arrivons au terme de ce deuxième podcast. À l'écoute de tout ce que vous nous avez expliqué depuis ces deux rendez-vous, j'ai l'impression quand même que cette réglementation est quand même assez lourde, assez complexe. Quel impact ça va avoir auprès des distributeurs aujourd'hui, alors que la finance durable est plutôt un phénomène qui est en train de prendre de l'ampleur? Alors, déjà, les distributeurs, ils devront remettre les nouvelles informations ESG qui vont être bâties par les producteurs, donc par les assureurs, hein, entre guillemets, les DC ESG. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, et peut-être le plus impactant pour eux, ils vont devoir, et dès lors qu'ils ont plus de 3 collaborateurs, donc on voit bien que ça touche déjà des structures qui sont assez petites, ils vont devoir, sur leur site internet, mettre un certain nombre d'informations liées à l'ESG. De quoi s'agit-il? Il va s'agir d'expliquer en quoi ils prennent en compte les critères de durabilité et l'incidence négative de la durabilité sur le rendement des produits dans la gamme qu'ils distribuent. Ils devront devoir aussi expliquer en quoi l'ESG impacte leur rémunération. Ça, c'est un point assez important qui d'ailleurs est encore assez flou. Et s'ils ne le font pas, ils devront expliquer pourquoi ils ne le font pas et quand ils souhaitent le faire. Merci Pierre-Christian Lambert et merci à vous d'avoir écouté les Rendez-vous Experts. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à la partager avec votre réseau, à donner des étoiles. N'hésitez pas non plus à nous faire part de vos remarques, de vos questions, mais aussi des sujets que vous aimeriez voir abordés sur les Rendez-vous Experts.